utile. En effet, avec les progrès de l'artillerie, les batteries disposées sur Aix et Oléron peuvent croiser le tir et protéger l'estuaire sans l'aide de Fort Boyard. Ce chantier colossal est finalement inutile, est l'équivalent aujourd'hui de plus de 150 millions d'euros. Il sera malgré tout utilisé comme prison ou décor de cinéma, puis finalement abandonné aux mouettes et aux embruns. Racheté par le conseil départemental de Charente-Maritime en 1990, qui, avec l'aide d'une société de production, fera de lui la vedette internationale du jeu télévisé Les Clés de Fort Boyard. Tu nous le refais, Christophe, j'ai la vidéo. Parce que je vais garder le souvenir. T'aurais fallu le bruitage en plus avec le son, tu entendais un gros bout. Mm-hmm.